Donc il y a quasiment à La Rochelle 200 personnes du Secours Populaire, enfants et parents, à venir assister à voir le départ de cette quatrième étape, donc, qui est La Rochelle-La Rochelle. Donc là, ce qui est génial, c'est qu'on les fait tous monter sur un bateau pour assister au départ en live. Donc voilà, j'espère que ça va leur faire quelque chose, quelque chose de différent de la vie de tous les jours, d'assister à un départ d'une solitaire. Et en fait, j'habite loin et j'habite à Bordeaux. Et du coup, je viens pas souvent ici. C'est hyper bien, on s'amuse bien. Il y a plein d'activités. Et c'est bien. Je vois Fort Boyard et c'est trop bien. C'est la première fois que je le vois de toute ma vie. C'est la première fois et c'est dans un beau bateau. On essaye dans tous les domaines de faire du bonheur aux gosses. Alors il y a les promenades en bateau, il y a les arrivées du Tour de France avec le BMX, il y a aussi des mômes qu'on apprend à nager, il y a qu'à voir les yeux des gosses, combien ils sont heureux. Les amis me disaient que la plupart des familles qui étaient là, ils n'avaient jamais pris le bateau. Alors pour le Secours Populaire, c'est vraiment un grand objectif qui est réalisé. Donner du bonheur à tous ces gosses qui partent pas en vacances et il y en a encore un sur trois qui n'est pas parti l'année dernière. Le partenariat avec le Secours Populaire est de plus en plus fort concernant le bateau parce que c'est une magnifique image pour nous, notre groupe, d'avoir un partenaire comme le Secours Populaire et nous offrons au Secours Populaire une magnifique image qui est le sport nautique et surtout celui de la voile qui quelque part rejoint exactement la même solidarité parce que lorsque l'on est marin, on est solidaire. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Voilà, le départ vient d'être donné.